Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, bienvenue dans cette nouvelle masterclass UpTogether. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien, s'il vous plaît Auriez-vous la gentillesse de le mettre dans le chat Être sûr que tout est OK Il bah, y a beaucoup ah. de gens qui sont en train d'écrire. Voilà. <laughs> Génial. Salut, salut Benoît. Euh, on est ravis de vous accueillir. Euh, merci beaucoup pour tous vos messages. Bonjour Katia, bonjour Karine, salut Benjamin. Euh, ravi de vous accueillir sur cette, pour cette nouvelle masterclass Up Together. Euh, alors là, on prend une nouvelle dimension, puisqu'on a la chance d'accueillir un conférencier international. Voilà, euh, en la personne de Benoît Chalifou. Salut Benoît. Bonjour, merci à euh, tous, merci à tous les messages. Continuez de nourrir le chat, ça nous donne beaucoup d'énergie. Merci de l'invitation, Greg. Euh, ben, avec grand plaisir, parce qu'effectivement, Benoît, il va avoir besoin d'énergie puisqu'il est 5h30 chez lui. Donc merci de t'être levé de bon <laughs> matin. Euh, pour ceux qui nous connaissent pas, parce qu'il y a plein de nouveaux managers euh, qui rejoignent la communauté UpTogether, plein de RH qui viennent découvrir ce qu'on fait. Donc moi, je suis le cofondateur d'UpTogether. Euh, on est une startup RH. On accompagne euh, l'amélioration de la collaboration dans les organisations, et on le fait en, en travaillant la qualité relationnelle au sein de vos équipes euh, à, à travers une expérience collaborative qui s'appelle du coaching collaboratif où on réunit vos managers et maintenant depuis peu vos non-managers pour qu'ils se coachent les uns les autres et qu'ils améliorent leur qualité relationnelle pour pouvoir faire face à tous les défis qui les attendent. Donc, si vous êtes RH et que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On vous invitera à un atelier découverte. Et donc, euh, tous les mois, on organise des masterclass au vu de, des actualités euh, autour de cette thématique euh, qui est le développement de la qualité relationnelle. Et forcément... Quand, euh, quand Benoît a sorti son ouvrage qui s'appelle L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, je vais essayer de vous le montrer, mais je pense qu'avec la caméra, je ne sais pas si vous le verrez bien, on vous enverra le. On vous enverra la petite couverture. Bah forcément, ça a fait tilt euh, parce que euh, au-delà de son bouquin, Benoît c'est un grand conférencier international dans le domaine des soft skills. Il enseigne euh, à l'école des sciences et de la gestion euh, de l'université du Québec, la fameuse UCAM, ainsi que dans plusieurs business schools, dont Odencia à Nantes, Cocorico. Euh, je sais qu'il y a des gens d'Odencia parmi nous. Et, euh, et dans cet ouvrage bah, qu'on a dévoré nous dans l'équipe, euh, ce qu'on a adoré, c'est vraiment euh, à la fois voilà la posture de Benoît qui est empreinte d'humanisme et avec beaucoup aussi de conseils pour les, pour les managers et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux de le recevoir aujourd'hui pour qu'il vous partage sa vision, qui est aussi une vision nord-américaine, où souvent vous avez un petit temps d'avance sur nous sur tous ces sujets-là. Donc c'est aussi très chouette que tu puisses nous partager, toi qui as un pied un peu sur les deux continents, euh, et que tu nous partages surtout tous tes conseils à notre communauté. Est Ce que je te propose, Benoît, c'est de te présenter en deux minutes avant qu'on lance ta masterclass, et puis après, on pourra échanger avec vous. Bien sûr, bien sûr. Bien, merci. Didier qui dit J'ai aucune vidéo en cours. Peut-être que c'est un problème de son côté parce que je pense que tout le monde nous entend, nous voit. Euh, du moins, je l'espère. Euh, merci, merci d'être présent euh, pour cette masterclass. On va avoir beaucoup de plaisir. Du moins, je l'espère que vous allez apprendre plusieurs éléments que vous connaissiez peut-être déjà, mais qu'on va vous pousser un peu plus loin. Euh, bon, qui suis-je? Je suis chargé de cours, que vous appelez chez vous vacataire, euh, dans plusieurs écoles de commerce un peu partout en Europe. Alors, sur le continent africain, évidemment, chez moi au Québec, euh, au Canada, euh, je suis aussi euh, conférencier. C'est mon cœur de métier. C'est ce que je fais au quotidien euh, sur ce thème-là et d'autres thèmes comme la diversité, l'inclusion, etc. Bref, c'est l'humain qui me fascine par-dessus tout. Et ce que j'aime, c'est vulgariser la science la plus à jour en l'habillant d'une manière élégante avec des histoires qui collent à notre quotidien. Euh, et aussi, ce que tu as oublié de dire, mon cher Greg, qui est fondamental, c'est que j'ai une seule passion, bon, j'en ai plusieurs, mais une autre que celle des relations humaines, c'est le football, ce qu'on appelle au Québec le soccer. J'ai même voulu en faire une carrière. Je suis un grand, un grand fan de l'OM. Je vais me faire peut-être des ennemis, mais voilà, ça a été dit. Je me suis rendu vulnérable. On va parler de vulnérabilité tantôt. Euh, et par ailleurs... Euh, je suis un fier père de famille. J'ai deux jeunes enfants de, de 4 et 7 ans. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants, là, mais j'imagine que oui. On va rebondir des fois avec ça parce que souvent, on va vouloir apprendre beaucoup de choses à nos enfants. On va éduquer nos enfants, mais quand on se pose et qu'on observe nos enfants un peu, soit-il, on peut en apprendre beaucoup sur le sujet que je vais, vous, je vais vous entretenir dans la prochaine heure. Un grand privilège d'être là pour vous. J'espère que mon accent québécois ne vous fatigue pas trop. En général, on me dit non, on trouve ça sympathique. J'espère que c'est le cas. Alors, Greg, c'est qui je suis en 30 secondes. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup pour euh, pour cette sympathique euh, introduction. Peut-être avant qu'on se lance, Benoît, je vous rappelle, c'est une masterclass interactive. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions euh, dans le chat. On a vraiment voulu euh, avec euh, avec Benoît, quand on préparait cette masterclass, être en discussion avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il faut, je créerai peut-être des petits sondages pendant la masterclass, mais on est vraiment là pour que vous ayez accès à Benoît, à sa vision, à son savoir. On a quand même structuré cette masterclass euh, autour de, 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 de trois grands temps. Le premier où il va nous poser, bah, c'est quoi les habilités les relationnelles et un peu les bases, euh, un peu le, le changement de logiciel qu'on doit faire quand on est manager. Après, il a un coffre à outils qu'il a beaucoup développé dans son ouvrage. On va rentrer dans chacun de ces outils. Et après, euh, si on a le temps, on verra comment entretenir tout ça euh, tout au long de votre carrière. Donc peut-être pour commencer, euh, Benoît, de quoi on va parler ce matin et c'est quoi ces fameuses habilités relationnelles oui, bien, merci. D'ailleurs, Katia, je la remercie dans le chat. Elle dit Votre accent nous fait voyager. Ah, oh, c'est gentil, c'est trop gentil. J'adore votre prénom. Euh, en fait, les habiletés relationnelles, il faut quand même comprendre qu'avant d'être en relation avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Donc, tout ce qu'on parlera, on va parler tantôt d'empathie, de compassion. Et donc, Il y a l'auto-empathie, l'auto-compassion qui existe, pas pour rien. Donc, cette capacité à entrer en relation, c'est avec nous-mêmes, avec les autres c'est le point euh, de le point de départ mais après comment nourrir la relation dans le temps l'entretenir euh, évidemment des sujets euh, qui sont assez euh, Complémentaire serait l'intelligence émotionnelle, euh, les soft skills qu'on appelle aussi. Moi, j'aime bien les qualifier d'habileté relationnelle, du moins dans mon domaine. Euh, et c'est ce qui permet au manager euh, d'amener une vision commune, que tout le monde ait envie de la suivre, qu'il y ait un climat euh, de sécurité psychologique, euh, qui ait euh, euh, une capacité de pousser les gens un peu plus loin à la lumière de leurs talents respectifs. Euh, en temps dans, le, dans la gestion pure et dure, les habiletés relationnelles, pour moi, c'est tout. C'est ce qui fait émaner un climat de confiance. On va parler des piliers des habiletés relationnelles. Et le gros problème, mon cher Greg, c'est euh, Alexandre, Marie dans le chat, c'est que les habiletés relationnelles, c'est pas quantifiable comme, par exemple, des compétences techniques. Vous savez, vous faites de la programmation, vous faites, vous apprenez une nouvelle langue, vous, vous allez apprendre un nouveau logiciel quelconque, vous allez développer des habiletés techniques, des compétences techniques. Dans le cas qu'on parle des compétences humaines, parce qu'on peut les traduire ainsi, euh, ce n'est pas quantifiable. Hein, je donne une formation en ce moment d'une heure. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir dire à leur, leur compa compagne amoureux, je suis rendu 100% plus empathique? Bien sûr que non, on ne peut pas quantifier ça. C'est un travail de longue haleine qui se fait aussi avec la neuroplasticité, un domaine qui a pris beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si tu as déjà fait un int une interview à quelqu'un dans ce domaine-là, mais c'est très intéressant de savoir qu'on est capable de briser euh, un, une manière de penser, de réfléchir, de prendre une décision, de se comporter et d'amener une nouvelle habitude sur la, sur la table par cette capacité euh, de neuroplasticité qu'on qu possède dans notre cerveau. Oui. Donc, les habiletés relationnelles, c'est beaucoup de choses. On va démystifier oui. tout ça. Mais certainement que c'est cette capacité à avoir de bonnes relations avec nous-mêmes et avec les autres qui nous permet d'avoir du succès en organisation. Ça a été très bien démocratisé pendant plusieurs années. Le problème, c'est que ce n'est pas quantifiable. Donc, comment tester à l'entrevue, pas vos compétences techniques qui sont sur le CV, mais votre capacité à être curieux, flexible, adaptable, euh, la bonne attitude, tous ces éléments qui finalement de, demeurent fondamentaux. Euh, pour qu'il qu y ait un climat qui favorise la créativité, euh, la collaboration et la vision commune. Alors justement dans ton bouquin, euh, ce qui est super intéressant, et avant qu'on rentre peut-être dans tes conseils avec les, les cinq gros outils où tu vas partager auprès des managers, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu disais qu'il y avait quand même un peu des piliers structurants où il fallait un peu qu'on change de croyance, qu'on fasse un peu évoluer notre logiciel. Et peut-être est-ce qu'on peut poser ces trois gros piliers, euh, qu'on les ait tous bien en tête euh, avant de rentrer dans des côtés peut-être un peu plus euh, pratico-pratiques 100 absolument. Par contre, je dois, vous avez déjà eu une masterclass sur les émotions. Je ne vais pas m'entretenir trop longtemps sur les émotions, mais c'est le cœur des habiletés relationnelles. Il faut comprendre qu'une émotion, c'est neutre, c'est une information, euh, et quand elle arrive, ça va très rapide. On n'a pas le temps de réagir sur le flux d'une émotion. C'est ce qui suit. Et le problème, par exemple, avec une émotion comme la peur, c'est que si vous ne faites rien par rapport à la peur que vous avez eue dans un, dans un cas donné, je vais prendre l'exemple de mon fils qui s'est fait mordre par un chien à l'âge de 4 ans, quelques semaines plus tard, il a commencé à avoir peur de tous les chiens, à un moment donné, il a commencé à avoir peur des chats, et à un moment donné, il a commencé à avoir peur d'avoir peur. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas géré la peur en temps réel. J'ai dû amener un chien à la maison qui n'était pas le mien, qui était le chien d'un voisin, pendant toute une journée où, tranquillement, pas vite, il a apprivoisé à composer avec sa peur, il a mis en action sa peur, et à la fin de la journée, il m'a demandé, papa, je voudrais un chien. Et c'est là où j'ai déposé le chien au, au, au propriétaire parce que je n'en voulais pas. Mais on venait d'attaquer au corps à corps l'émotion de la peur. Vous avez eu un masterclass là-dessus, là je ne vais pas m'entretenir trop longtemps, mais les émotions sont au cœur des habiletés relationnelles. Comprendre ce que notre, notre émotion nous transmet, tu es en technologie aussi, Greg. Pour moi, l'émotion, ça égale à une donnée. Et après, on fait quelque chose pour ne pas qu'elle laisse des traces toujours plus puissantes. Mon fils est en train de devenir anxieux. C'est un trait de personnalité qui s'était développé face à une émotion non vécue. C'est quand même important que je le précise dès le départ. Bon. Là, on va parler des trois piliers. D'ailleurs, dans le chat, on va les faire participer un peu, ma chère Marie. Allez, on y va. Je vais vous demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a envie de collaborer avec vous? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on aurait envie de travailler avec vous? Vous êtes mon, mon gestionnaire, mon leader. Je dois collaborer avec Nora, Aïsata, Miguel, avec Adeline, Sandrine. Qu'est-ce qui fait que j'aimerais collaborer avec vous ou qui me donnerait envie de collaborer avec vous en un mot? Gardez ça en un mot. Qu'est-ce qui ferait que je voudrais collaborer? Euh, votre vision, bienveillance, intéressant. Bienveillance, on le retrouve encore. Merci. Hey, ils sont animés. J'adore la communication, l'énergie. Ah, j'ai eu la réponse que je cherchais. Armel, la confiance. La confiance ce, est un résultat est un résultat qui a été bâti sur des piliers. Et les trois piliers amènent la confiance. Il y en a plusieurs, je vous rassure, mais les trois piliers fondamentaux, ils ont été mentionnés d'ailleurs, les trois piliers sont les suivants. L'attitude slash l'empathie. Le deuxième pilier, c'est évidemment la logique slash la compétence. Et le troisième, qui est un peu moins connu, qui est moins démocratisé, mis de l'avant, l'authenticité. L'attitude, la compétence et l'authenticité. On ne veut pas un gestionnaire hyper sympathique, non compétent. Il n'y aura pas de climat de confiance. On ne peut pas avoir un gestionnaire hyper compétent, performant, mais toxique. D'ailleurs, ça, c'est très dur parce que quelqu'un qui lève, livre une marchandise encore et encore, mais qui, un, qui est très toxique, euh, qui est très négatif, c'est très dur. Ça prend beaucoup de courage de le licencier. Mais je pense que c'est ce genre de candidat qui cause le plus de tort dans nos organisations. Parce qu'une personne très toxique amène un état émotionnel très toxique. Alors, commençons avec l'attitude, si tu le veux bien, Greg. Merci beaucoup pour vos grandes réponses. Merci, Elodie. Merci, tout le monde. Commençons par l'attitude. Il y a un jargon, une citation aux États-Unis de Zig Ziglar. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le développement personnel toute sa carrière. Il disait C'est votre attitude qui déterminera votre altitude. C'est tellement vrai. Il euh, y a des, euh, Greg, dans l'attitude, il y a des gens qui donnent de l'énergie, il y en a d'autres qui prennent de l'énergie. Mmh, mmh, mmh. Et c'est quoi euh, la différence entre, euh, entre justement euh, ce côté attitude versus l'aptitude? Ben, il y a une grosse, grosse différence. L'aptitude, c'est ta capacité de ta compétence. C'est ta compétence. Et d'ailleurs, si vous avez deux candidats devant vous, vous êtes des gestionnaires, vous embauchez encore et encore de temps en temps. Bien, quand vous avez deux candidats, vous avez fait le test et vous avez, vous, vous êtes rendu compte que le candidat A a 100% d'attitude, 90% d'aptitude, l'aspect technique sur lequel vous cherchez un candidat. Euh, et le candidat B a 90% d'attitude, mais 100% d'aptitude à tout coup, à proportion comme ça, de cette manière. À tout coup, je vais prendre le candidat parce que grâce à, sa, à son 100% d'attitude, il aura la volonté et le vouloir de pallier au manque. D'aptitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile quand vous avez un comportemental plus fort, des habiletés relationnelles plus fortes, de pallier au manque technique. Ne mmh. trompez-vous pas, là. je vous ai parlé de la compétence qui est une, comp qui est une fondation importante. Je ne, je ne suis pas en, en train de mettre de côté la compétence, je ne suis pas en train de dire que la compétence n'est pas importante. Je dis qu'elle est plus facile d'apprendre mmh. une nouvelle compétence en organisation qu'un comportement. C'est ce que je suis en train de s dire. Elle pas, mais elle ne s'oppose ouais. pas. Hum. Elle ne s'oppose pas du tout. C'est un mariage important à faire dans l'attitude de la première fondation qu'on évoque. Euh, Au-delà au d'être un donneur ou un preneur d'énergie, c'est quand même intéressant. Êtes-vous un donneur ou un preneur? Un donneur d'énergie, lorsque vous recevez un de ses coups de fil, vous voyez son numéro, vous êtes content de prendre l'appel. Mmh. C'est toujours simple, concis, merci, bonsoir, en mode solution. Quand vous prenez l'appel d'un preneur d'énergie, ça a bien été vulgarisé par la science, vous prenez l'appel, vous dites Ah! Oh, pas maintenant, pas là. Vous prenez l'appel, c'est toujours complexe, c'est toujours compliqué. Il n'y a jamais quelque chose qui fonctionne avec eux. C'est laborieux, fastidieux. Vous terminez l'appel, vous êtes vidé pour la semaine. Ça vous dit quelque chose? Vous avez certainement des noms en tête. Mais il y a deux, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ce thème-là. Ils ont dit que pourquoi les gens ont une bonne attitude en général ou une mauvaise? Deux éléments. Le premier, c'est leur croyances. Est-ce que leurs croyances sont limitantes, ce qui, permet, ce qui fait que quand un nouveau contexte arrive, leurs croyances limitantes leur, croyance limitante, leur, leur, leur indiquent qu'il faut avoir qui, qui, que, que c'est un problème, que c'est ça, ça, ça. Alors que les autres qui ont des croyances exponentielles, qui ont une capacité euh, d'avoir le verre à, mo à, euh, à moitié plein plutôt que moitié vide, sont toujours en mode solution. Leurs croyances qui sont exponentielles leur permet d'avoir une autre vision, une autre perspective. Et la deuxième chose, c'est ne sous-estimez pas votre entourage. Votre entourage va beaucoup, beaucoup infuser sur mmh. votre capacité à avoir la bonne attitude. La deuxième chose que je veux vous parler sur ce premier pilier, l'attitude, existe-t-il des tests d'attitude éprouvée? Ben absolument, euh, Dioline. D'ailleurs, tous ceux et celles qui voudraient me re rentrer en contact avec moi sur LinkedIn pour des questions très précises comme ça, euh, euh, envoyez-moi des messages. Je vais vous envoyer plusieurs tests que j'utilise en entreprise, moi. Je ne sais pas si Greg t'en utilise un, là, mais euh, au Québec, il y en a un très connu qui est, qui est, qui est en France aussi. Ça s'appelle Atman. Je vais l'écrire ici. Là, il est très, très connu. Voilà, je viens de le mettre dans le chat. Euh, L'autre chose que je veux vous parler sur l'attitude, c'est quand même les neurones miroirs. Greg, est-ce que tu as déjà entendu parler des Greg? Bien euh, des... sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Hein. Les neurones miroirs, oui. Bien, écoutez, évidemment, la prémisse de départ, c'est quand je me mets à bailler, vous allez vous mettre à bailler. Si je me mets à vous offrir, à vous offrir le sourire le plus radieux, vous allez sourire à votre tour. Ça, c'est la prémisse de départ. Mais je veux en parler parce que j'ai affaire à des gestionnaires, Greg. C'est important, euh, les neurones miroirs, de bien les comprendre. Si je me mets à savourer mon café et que vous n'en avez pas, la même partie du cerveau associée au goût du café va s'activer. C'est assez intéressant. Mais je vais aller plus loin, si vous me le permettez, avec les neurones miroirs. Je vous rappelle qu'on parle encore du premier pilier, l'attitude. On va le terminer en quelques instants. Euh, mais euh, la, la, la chose très intéressante en tant que gestionnaire leader, c'est que quand vous avez de l'énergie dans votre voix, la passion dans la voix, et comme vous adressez beaucoup à vos troupes souvent, à votre groupe, euh, l'état émotionnel du groupe est très contagieux face à l'état émotionnel du leader. Le leader met le tempo dans l'état émotionnel du groupe grâce aux neurones miroirs. Si vous avez déjà travaillé pour un leader transpirant toxique, non, pas inspirant, mais transpirant, je peux vous dire que l'état émotionnel du groupe était grandement affecté. Et quand un leader est inspirant par son ton de voix, son énergie, je ne vous demande pas de prendre mon énergie, la mienne, c'est la mienne, de prendre votre énergie. Parce qu'il y a des gens qui parlent d'un calme olympien qui sont tout aussi percutants que moi, sinon plus, leur passion se traduit différemment. Mais ne sous-estimez pas votre passion dans votre voix, votre énergie, votre sourire. Il est très contagieux, spécialement à votre statut. C'est tout aussi vrai pour un commis qui vient d'arriver dans votre groupe, mais il a moins d'influence sur le groupe. L'état émotionnel du groupe est très influencé par l'état émotionnel du leader qui va amener cet effet contagieux. Et quand un nouveau employé va entrer dans votre groupe, vient d'être embauché, il va vouloir par ce sentiment d'appartenance. Désirer, euh, mmh, mmh. s'adapter à l'état émotionnel du groupe. Et ça, même si son état émotionnel normal est plutôt de nature négative. Voyez un peu, c'est fascinant ce thème. Bon, on peut en parler 45 minutes, mais je vais vous amener dans ce deuxième élément, la compétence en hein, grec qui est très importante parce que c'est bien beau que tu aies la bonne attitude. Si tu n'es pas compétent, je te veux comme ami, mais peut-être pas au travail. Voyez un peu. Donc, la compétence. Elle se nourrit constamment. Aujourd'hui, on doit apprendre à apprendre. Et une notion nouvelle, Greg, on doit désapprendre pour mieux apprendre. Déconstruire. Ça, de déconstruire certaines croyances. Oui. Et Greg, oh, j'adore ce que tu viens de dire, Greg. Euh, j'adore ce que tu dis. Et là, il y a Miguel qui. qui N'hésitez pas de, de, de nourrir le chat, c'est toujours intéressant. Donc, dans la deuxième fondation, la compétence. On, il faut devenir un apprenant à vie. D'ailleurs, être un apprenant à vie, peu importe combien d'années vous travaillez dans votre même domaine, il euh, faut cultiver cette capacité d'apprendre, mmh. que ce soit de manière structurée, comme ce que tu offres comme plateforme, euh, un apprentissage autodirigé, les autodidactes qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres, etc. etc. Euh, mmh. Vous avez également un type d'apprentissage très intéressant qui s'appelle l'apprentissage social. Et ça, je trouve qu'il est sous-utilisé. L'apprentissage social, c'est quand on va se poser à Nantes dans une semaine, toi et moi, et que je vais cheminer, parcourir ton expérience, tes bagages extraordinaires, je vais apprendre à la vitesse grand V et en bonnie, ce type d'apprentissage social te permet de mieux connecter avec tes gens. Non seulement tu parcours euh, l'expérience, la richesse de la culture de la personne, peu importe quelle... Connaissance, tu emmagasines beaucoup de connaissances quand tu te poses et tu te montres sincèrement intéressé. Pas intéressant, intéressé. Mmh. Mmh. Mais en plus, tu connectes avec tes parties prenantes en tant que gestionnaire quand vous vous posez avec vos employés et vous vous montrez sincèrement intéressé à leur parcours, leur histoire. Vous connectez avec les gens et vous emmagasinez un maximum d'informations super intéressantes. Je trouve que l'apprentissage social est très souverain utilisés dans nos organisations. Heureusement qu'il y a un... des gens qui font du coaching collaboratif, alors. <laughs> C'est ce que tu me dis. Ben, C'est exactement ça. As tout... Parce qu'il <laughs> y, y a deux leviers. Il y, y a ce qu'on appelle euh, apprendre en magasin de la connaissance à la vitesse grand V, en posant des questions hyper intelligentes. Et la deuxième, vous connectez avec vos gens. On dit souvent en anglais, je vais vous le dire en anglais, je vais vous le dire en français, on dit souvent, people never commit to you when they understand. People commit to you when they feel understood. Les gens embarquent pas dans votre mission quand qu ils l'ont compris. Les gens embarquent dans votre mission quand qu ils se sont sentis compris. Vous voyez un peu. Donc vraiment, je trouve ça très important. Et euh, il y a un des auteurs connus au Québec, Serge Bouchard, qui est décédé aujourd'hui, qui disait nous devons cultiver notre naïveté, savoir qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Le terme apprentissage social est de... Oui, Valérie, mais merci beaucoup. Nous devons cultiver notre naïveté. Et d'ailleurs, pour alimenter la compétence constamment, spécialement quand on travaille depuis des années au poste, puis qu'on est rendu à un poste de leadership, comme nos gens qui nous écoutent en ce moment, il y a plus de 80, qui nous... 80 personnes qui nous écoutent, euh, il faut quand même savoir qu'il faut avoir un mot très fort. Il y a un mot très fort de trois lettres qu'il faut être capable de mettre de côté. On, on parle du cycle de renouvellement de la pensée, quelque chose qui a bien été documenté par un certain Adam Grant, un chercheur américain très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée flexible. Greg, quand on veut nourrir notre compétence, on parle du deuxième pilier, là, constamment, encore et encore. On, et qu'on gagne en expérience, c'est un jeune fringant qui sort des bancs d'école, qui vient te challenger sur une tâche que tu as toujours faite de la même manière. Mmh. Tu as besoin de mettre de côté un mot de trois lettres de côté pour être capable d'absorber ce qui est en train de te dire as-tu une idée de quel mot je parle alors moi je l'ai mais bah ben voilà elle est dans le chat quoi déjà ben oui Lise, ben vois, ben oui Katia. il faut avoir être capable malgré votre expérience grande expérience de mettre de côté votre ego pour faire place à l'humilité et quand vous êtes capable d'avoir de l'humilité par rapport à tout ce que les parties prenantes qui vous entourent jeunes moins jeunes atypiques typiques peu importe peu importe le profil, quand vous êtes capable d'enclencher de l'humilité face à ce qu'on est en train de vous dire qui challenge vos idées, vos croyances, ça fait émerger quelque chose en vous, le doute. Et comme vous, avez, vous êtes un leader inspirant, inspirant, vous prenez votre loupe scientifique et non pas la, votre loupe qui confirme vos croyances. Vous allez dans la curiosité dévorante pour chercher la vérité face à ce qui a été dit, qui vous a challengé. Donc, quand on a de l'humilité, ça l'enclenche le doute et le doute nous permet d'ouvrir la perspective de la curiosité. Et quand nous sommes dans une curiosité dévorante tout le temps, on est en mode découverte presque à chaque jour. Et c'est ça, ce cycle de renouvellement de la pensée qui est très important quand on parle de la compétence. Accepter de se faire challenger. Au quotidien. Et tu sais quoi, Greg? Le problème, c'est qu'on préfère le confort des eh oui, convictions à l'inconfort du doute. Alors pourquoi? Parce que c'est moins de travail, c'est moins pénible? Ben oui, en première, ben oui, puis on a beaucoup de bien conscients et euh, souvent, l'ego prend beaucoup plus de place que l'humilité. Alors, pour ces leaders inspirants, inspirants, pour ta belle communauté, je peux te parler d'un concept. On est toujours dans le deuxième pilier, la compétence, qui est très importante aujourd'hui, parce que tout s'accélère très rapidement. Il faut être très agile dans notre manière d'apprendre. Alors, Greg, il faut que je te parle d'un concept, l'humilité confiante. L'humilité confiante, c'est probablement ce, 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 cette région où, où ces leaders doivent atteindre. L'humilité confiante, c'est d'avoir la confiance d'atteindre leurs buts, leurs objectifs, annuels, mensuels, peu importe. Mais d'avoir l'humilité de remettre en question pendant le mmh. parcours le chemin qu'on va entreprendre grâce aux parties prenantes, aux découvertes que nous allons faire. On a la confiance d'atteindre nos buts, nos objectifs, mais l'humilité de remettre en question. Ça permet d'ouvrir notre esprit, mettre notre compréhension à l'épreuve, amener une discussion plus nuancée dans nos convictions. Un le doute, peu... donc, le, donc, le doute ne, ne, ne me freine pas. Absolument pas. Alors, évidemment, il y a l'effet déconning euh, qui est de l'autre côté, l'effet déconning qui dit que la personne qui prétend. Quitte. Tout connaître, en général, c'est la personne qui connaît le moins le sujet dans la pièce. Hein? L'effet déconning est bien connu. Et de l'autre côté, euh, la personne qui a comme l'impression d'être un imposteur. On veut pas ça non plus. Donc, on veut, euh, on veut avoir cette humilité confiante et qui prend de l'ampleur et qui prend de l'ascension. Et il euh, y a un chef d'entreprise que j'adore au Québec, en tech, un chef euh, très bien connu, euh, qui, qui, qui dit Si le savoir est un pouvoir, Savoir identifier ce que nous ne savons pas est de la sagesse. Hmm. Si le savoir est un pouvoir, savoir identifier ce que nous ne savons pas est de la sagesse. Ça résume bien ça, je trouve. Donc, la compétence, il y a une manière de la, re de la renouveler. On a parlé des euh, du deuxième pilier de la compétence, comment réussir à avoir le courage de remettre en question les choses au quotidien. Et là, il faut que je te parle du troisième pilier qui fait émaner, évidemment, le climat de confiance qu'on parlait tantôt, mon cher Greg, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est tellement important. Comment se définit l'authenticité? On sait qu'un leader inspirant, inspirant, c'est ce qu'il va dire, doit être projeté par ses actions. Le cerveau, puis tu as eu un chercheur là, en euro, euh, euro libéré. Oui, Erwan, Deves, ouais, en, ouais, euro ben Erwan en parlait. Erwan disait justement que euh, s'il y a un écart entre ce que tu dis et ce que tu fais, les gens vont le sentir immédiatement Ils vont sentir ça comme une menace. Il parlait de l'authenticité ici. Très intéressant ce qu'il disait. Une autre chercheuse, quand elle définit l'authenticité, je trouve que c'est très beau. Renee Brown, elle dit le courage d'être imparfait, vulnérable et de poser des limites. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Hein, et, et ça, ça définit bien l'authenticité. Quand un leader ne sait pas, puis qu'il a le courage de dire, je ne le sais pas, mais je vais te revenir. Mmh. Hey, ça prend beaucoup de courage pour dire, je ne le sais pas, mais je vais te revenir. Ou je ne le sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? <laughs> Voyez ce que je veux dire? C'est d'être authentique. Bref, l'authenticité est très importante. Ça fait un peu le tour des trois piliers qui fait. Les émanager... trois piliers, de... Alors, pour résumer, l'attitude. Moi, j'entends beaucoup de apprendre à apprendre, cette notion de curiosité en deuxième pilier et l'authenticité. C'est vraiment les oui, trois choses. Absolument. Et ça, il y a une métache recherche de Stanford et de Harvard qui a démontré que c'est vraiment les trois essentiels. Il y en a plusieurs autres. Là, il y a des gens qui parlaient de bienveillance. mais ben, On parle d'attitude d'empathie dans ce cas-là, vous comprenez. Euh, mais euh, ça ressort beaucoup, ces trois piliers. Souvent, l'authenticité, des fois, manque mmh. à l'appel. Il y a Valérie qui dit mais trop d'authenticité peut aussi être considérée comme de l'impôt correct. Euh, Bien Valérie, encore une fois, c'est un très beau commentaire. Euh, l'authenticité, ça doit avoir sa place, mais quand vous bâtissez une nouvelle équipe et que vous démontrez que vous connaissez, euh, il, il, faut, il faut équilibrer l'authenticité selon avec qui vous êtes. Il y a des gens avec qui il n'y a pas un climat de confiance et d'être authentique, d'être cash, ça peut juste freiner votre vision, votre, votre succès euh, subséquent. L'authenticité, euh, elle doit se définir selon euh, où vous êtes situé, dans quel contexte vous êtes situé. Mais c'est sûr que l'authenticité, c'est un, un cœur très important. C'est dur de le mettre à exécution. On peut, euh, les gens peuvent utiliser ces choses-là contre nous quand il n'y a pas un climat de confiance. Je vous l'accorde. Mais quand je parle d'un climat de confiance, qu'est-ce qui permet de faire émerger un climat de confiance? L'authenticité est un pilier extrêmement important. Je peux voir qui tu es vraiment. Voyez, vous ne mettez pas de masque. Et ça, je trouve ça important. Merci, euh, merci beaucoup Benoît. Donc maintenant qu'on que a posé la ces bases avec ces fameux piliers, euh, comme je disais, euh, le cœur de ton ouvrage, c'est euh, ces cinq outils que tu as euh, identifiés, sur lesquels tu as travaillé, tu t'es beaucoup documenté pour écrire euh, ton livre euh, et que tu as sélectionné donc, pour, tes, euh, pour tes lecteurs. Euh, je vous rappelle quand même que le, que le livre de Benoît est un best-seller euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Il y a eu plus de 20 000 copies, je crois, ce qui est énorme. Euh, pour, pour le marché comme le vôtre. Euh, le premier de ces outils dans, dans le coffre que tu as, euh, que as défini, c'est l'autodiscipline et l'art d'être en relation avec soi-même. Est-ce que justement, tu peux nous dire ce que tu mets derrière et, euh, et surtout donner des conseils à notre communauté de managers pour la travailler, cette autodiscipline. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a vendu les, 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 les droits du livre en France, il est partout en France. Donc, euh, laissez-vous aller, ceux qui sont managers, qui ont envie de, de, de le lire. Euh, mais euh, en fait, pour le coffre à outils des habiletés relationnelles, je veux vous proposer cinq compétences et il y a une séquence. Hein, quand tu as lu le livre, tu t'es rendu compte qu'il y a une séquence qui suit, qui est une logique, l'autodiscipline. Pour moi, c'est la première. Souvent, les gens disent, c'est probablement la compétence la plus originale que j'ai lue de votre livre, parce qu'on oublie que c'est une compétence en soi et que ce n'est pas un geste d'être dur sur soi-même, ce n'est pas un geste militaire, l'autodiscipline. Moi, je vois, ma, ma vision de l'autodiscipline, c'est cette relation avec vous-même. Avant d'être en relation avec les autres, il faut que vous soyez avec vous-même. Et pour moi, c'est la fondation de votre vraie liberté, l'autodiscipline. Vous êtes capable de faire des sacrifices en temps et en heure maintenant pour un but, un objectif important pour vous. C'est ce qui m'a permis de me lever à 5 heures du mat parce que euh, ben c'est un but, un objectif, moi, d'avoir un rayonnement le plus large possible et vous m'offrez cette possibilité avec, avec, ton organisa avec ton organisation. Donc, c'est sacrifier quelque chose de facile maintenant pour un but, un objectif important sur le long terme. Euh, pour moi, l'autodiscipline, ça égale à l'amour propre qu'on se donne. Je ne veux pas être ésotérique, mais c'est ça. Et donc, pendant les dernières euh, deux ans, les derniers deux ans, malheureusement, on a été très autodisciplinés dans notre vie euh, professionnelle, mais très peu dans notre vie personnelle. Euh, et là, on parle d'équilibre. Miguel, euh, j'ai envie de dire que l'autodiscipline vous permet d'équilibrer euh, tous les piliers de vos vies. Et là, je vais peut-être rebondir avec quelques vulgarisations scientifiques sur l'autodiscipline. Euh, par exemple, Charles Dewig, qui est un chercheur très connu, dit, si vous êtes capable de mettre... Ben, il faut savoir en hein, grec que 90% à peu près, à peu près la moyenne des moyennes, c'est que 90% des gestes, des actions, des choix que vous entreprenez dans une journée sont inconscients. C'est le mmh. fruit d'une habitude qui a tellement été répétée encore et encore qu'elle est devenue inconsciente. S'il y a quelqu'un sur l'appel qui se lève à 5 heures du matin chaque matin, je, je suis persuadé que cette personne n'a pas un alarme pour se réveiller. C'est tellement rendu inconscient qu'elle se lève à 5 heures ma du matin chaque matin. La même chose pour toi, Greg. Tu t'es brossé les dents ce matin sans y réfléchir vraiment. On fait des choses comme ça sans s'en rendre compte parce qu'on le répétait souvent. Et donc. Comment re euh, reconnecter avec des habitudes plus saines, sachant que dans les deux dernières années, il y en a qui se sont mis à boire de l'alcool, pas de l'eau, euh, sur les heures du travail. Euh, il y en a qui se sont mis à arrêter l'exercice. Il y en a qui se sont arrêtés à faire de la lecture qui les apaisait, à bien s'alimenter. Bien, modestement, un peu soit-il. Charles, Charles Dwigg dit si vous êtes capable de mettre une petite habitude en selle, une petite, par exemple, moi, je fais 30 push-ups, 30 pompes, comme vous dites chez vous, à chaque matin quand je me lève. Et ces 30 pompes-là, ce que Charles dit, c'est si vous êtes capable de les maintenir dans le temps, ça va vous influencer dans vos autres habitudes dans la journée. Parce que je fais mes 30 pompes le matin, ben, il y a des fortes chances que je me donne plus de temps pour mmh. faire de l'exercice. Si je me donne plus de temps pour faire de l'exercice, il y a des fortes chances que je m'alimente mieux. Et si je m'alimente mieux, il y a des fortes chances que je dors mieux. Voyez un peu qu'est-ce que c'est très intéressant dans la subtilité d'une nouvelle bonne habitude que vous mettez en place. Et donc, et... Benoît, toi, ce que tu dis que c'est que ces petits pas, euh, c'est ça, c'est d'y aller déjà par petits pas et que même nous, là, dans notre quotidien euh, de manager, c'est aussi ces petits changements euh, qui développent nos habiletés relationnelles. Il ne faut pas avoir peur de les mettre petit à petit, c'est ça Bien, euh, là, tu viens d'ouvrir la table du deuxième chercheur que je voulais parler. Parce que la première, c'est ne sous-estimez pas une petite habitude, une bonne petite habitude. Les 30 pompes se lever à 5 heures, c'est des exemples. Il va avoir un effet contagieux. On appelle ça un mmh. Keystone Habit, une habitude clé. Et là où je voulais arriver, c'est là où tu m'invites à aller c'est les travaux de James Clear qui dit la théorie des gains marginaux du 1 à tous les jours meilleurs. Si vous êtes capable de, 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 de faire 1% mieux à tous les jours sur quelque chose que vous voulez mettre en place, ne sous-estimez pas les résultats à long terme. Le problème, Greg, c'est que, je vais prendre l'exemple classique, les gens s'inscrivent au gym le 1er janvier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont massivement, intensément pendant quelques semaines et ils abandonnent avant la fin du mois. Les gens qui perdurent, qui durent dans le temps, c'est des gens qui vont modestement, en bienveillance, comme on dit. Un petit peu, cinq minutes de gym par jour, pourquoi pas, mais dans la constance. Mmh. Parce que si vous faites 1 d'amélioration sur la nouvelle habitude que vous voulez mettre en selle, il faut qu'elle soit la plus petite possible. Mais qu'elle soit constante. Et quand vous êtes capable de mettre en place une petite habitude en place constante, les effets cumulés à la fin d'une année, 1 mieux à tous les jours, vous faites des résultats exponentiels, 3700 d'augmentation. Ne sous-estimez pas, si vous voulez renouer avec la marche, le tour de votre voisinage qui vous dure cinq minutes. Ne le sous-estimez surtout pas si vous êtes capable de le répéter à tous les jours. Ne sous-estimez pas le sacrifice de mettre un seul sucre dans votre café plutôt que deux à tous les jours. Ne sous-estimez pas prendre un verre de vin le samedi plutôt qu'à tous les jours. Ne sous-estimez pas euh, de choisir un seul biscuit au lieu de deux euh, et de résister à la tentation du deuxième. Vous allez faire des résultats exponentiels à la fin d'une année, je vous le jure. Sur le temps réel, vous n'allez pas voir de changement, mais sur le long terme, les effets exponentiels vont être collatéraux d'une manière assez extraordinaire. Un geste miraculeux ne tient jamais la route sur le long terme. Un petit geste subtil, oui. modeste mais constant, a des effets extraordinaires. Ne le sous-estimez pas. Je le parle avec beaucoup de passion, Greg. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu autant d'épuisement euh, professionnel qu'en ce moment. Les gens ont multiplié les heures de travail. Ils ont oublié leur santé personnelle. L'autodiscipline est là pour vous rappeler que c'est un tout. Votre santé physique et mentale est tout aussi importante. Vous voulez renouer avec la lecture, pourquoi pas juste lire une page par jour? À un moment donné, ça va devenir un automatisme et là, vous allez utiliser ces effets et incrémentaux du 1 mieux à tous les jours. C'est puissant. Moi, ça me permet d'aller sur, sur, le, sur, le, sur le second outil. Cette autodiscipline, je pense qu'on arrive tous à l'apercevoir, mais euh, c'est quoi la motivation? Qui va oui. faire que on, 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 qui est le deuxième outil dont tu parles dans ton bouquin, c'est euh, comment est-ce qu'on se motive en fait finalement dans notre quotidien. Euh, alors, là, tu parles de choses personnelles, mais aussi dans notre quotidien de manager à, à travailler ces habitudes-là. Euh, c'est quoi tes, tes conseils et ta vision sur ça Ben oui, et ben, puis là j'ai fait j'ai parlé de évidemment Emmanuel dit la loi du 21 jours. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois que la science euh, est absolument mêlée là-dessus chaque personne va être capable de mettre en place une habitude qui va se transformer en une habitude inconsciente avec des jours différents. Il y en prendre cinq jours, d'autres 100 jours. Ce qui est certain, c'est que si vous la répétez encore et encore, elle va devenir inconsciente à un moment donné. Mais Emmanuel, je ne suis pas capable de dire 21 jours, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui est certain, c'est que le, euh, la mécanique derrière est vraie. Et j'ai parlé des habitudes de santé personnelle, Greg, parce que ça affecte beaucoup de professionnels en ce moment. Bien sûr. Je me suis rendu compte que les gens ont travaillé énormément, mais qui ont pris sur eux beaucoup, du moins les gestionnaires. Et là, je dis, reconnecter avec votre santé physique et mentale, c'est très important. Alors, on arrive au deuxième outil, l'automotivation. Et ça, c'est un mariage forcé avec l'autodiscipline. Euh, parce que l'automotivation nous permet de créer du sens derrière ce qu'on fait. Si je vous pose la question, est-ce que vous croyez que tout le monde est motivé? La majorité des gens sur l'appel vont me dire non, Greg. Euh, mais la science est unanime. Tout le monde est motivé, mais par quoi? Il y a des gens qui sont motivés par le chèque de paye, ils sortent le champagne le vendredi et sont remplis d'anxiété le lundi à recommencer. On ne veut pas des, des gens qui sont motivés d'une manière externe ou négative par la récompense ou l'ego, parce que mmh. ces gens-là le font parce qu'ils doivent le faire, la tâche ou n'importe quelle chose qu'on leur demande, ils le font parce qu'ils doivent le faire, ce n'est pas mmh. parce qu'ils veulent le faire. On veut, Marie, vous avez tout à fait raison, des gens qui sont motivés d'une manière intrinsèque, c'est-à-dire positive ou interne. Ils sont connectés avec le sens et fortement recommandés le plaisir. Mmh. Une petite anecdote, Greg, euh, personnelle. Un de mes voisins avait un surpoids très important, il était à la retraite. Et à chaque fois que je, je, je courais, je, je, le, je le narguais, je dis, Mario, qu'est-ce qui arrive? Tu t'entraînes pas, il faudrait que tu te prennes en charge. Il dit, Benoît, je le sais, je dois, je dois le faire. Vous voyez, il était dans le je dois le faire. Et un jour, je le vois se mettre à piétiner, à courir, etc. Et je lui dis, Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Tu fonds à vue d'oeil, pourquoi tu te prends en main comme ça? Et vous savez pourquoi, Greg? Parce qu'il venait de trouver son pourquoi, le sens. Il dit, parle-moi-en pas, il dit Ma fille était venue me déposer mes petits-enfants et j'avais la misère à m'occuper d'eux. Je cherchais mon souffle. Il venait de trouver le pourquoi. Quand on trouve le pourquoi, l'autodiscipline rentre en ligne de compte plus facilement. Le sens, le pourquoi est la chose la plus importante. Vous avez certainement déjà entendu l'histoire du tailleur de pierre. Vous allez dans un village éloigné en France, vous êtes dans une microbrasserie. Euh, et le mec qui vous sert la bière vous demande qu'est-ce que vous faites aux deux employés qui sont des tailleurs de pierre. Il y en a un qui répond bêtement ben, je taille des pierres à longueur de journée. Et l'autre qui fait absolument le même métier parle avec pétillement, avec passion et répond moi, je construis des cathédrales. Ils font le même métier, mais le sens derrière n'est pas le même. Alors, ma question pour vous, est-ce que vos employés connaissent le, connaissent le sens des tâches qui, des fois, peuvent être répétitives, mais qui amènent une, une, une valeur pour une mmh. chaîne de valeurs communes? Le sens, le pourquoi est la chose la plus importante à préserver, à communiquer, et on ne peut pas le surcommuniquer. Le sens, le pourquoi, on fait ce qu'on fait. C'est tellement important. Je serais curieux d'avoir ton avis sur un sujet qui, en France… Euh... Peut-être un peu tabou, je ne sais pas comment c'est chez vous. C'est l'argent. C'est vrai que souvent euh, les managers, euh, en ce moment, le, 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 justement la motivation des managers, il y a un peu des injonctions à faire. Voilà, il faut euh, euh, avoir cette, cette envie de l'idée d'accompagner. Et ce qui est très chouette, alors qu'on arrive quand même dans des historiquement, quand on grimpait dans la hiérarchie, c'était aussi pour augmenter son salaire. Voilà. Et est-ce que pour toi la, euh, cette cette notion d'argent qui est une motivation historique, ça peut être un vrai moteur. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement un peu dans les motivations des managers? C'est quoi ton avis sur ce levier-là d'automotivation? Ben moi, j'aime mieux partager ce qui a été fait par la science que mon avis, là, mais ça rebondit sur mon avis. Mais ce que la science dit, c'est que euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches là-dessus et à partir d'un salaire annuel de 75 000 américains. Euh, euh, chaque dollar ramassé euh, au-delà de ça euh, n'amène plus de bonheur, euh, n'amène plus, euh, plus d'effet sur votre bonheur. Euh, évidemment, euh, les gens qui ont de l'argent sont en général plus heureux que les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a un juste milieu à un moment donné et euh, l'argent a un effet plutôt pervers de nous contrôler. D'ailleurs, quand je parlais des euh, motivations négatives ou extrinsèques, la récompense, l'argent en est une. Donc, si les gens sont là juste pour l'argent, euh, malheureusement, ils ne seront pas motivés de la bonne manière. Ils vont être là parce qu'ils doivent le faire et non pas parce qu'ils veulent le faire. L'argent mmh. est très intéressant. Euh, elle, a, elle, elle est un motivateur en soi, mais très éphémère. Google a stoppé toute forme de bonnie depuis des années parce qu'il disait que les bonnies euh, n'étaient pas un incitatif motivateur suffisant et les ont remplacés, les gens qui performent en bien, performant bien, par des expériences de vie. Et les expériences de vie étaient plus mobilisateurs et avaient un effet plus significatif sur le long terme. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Euh, D'ailleurs, si vous avez vous avez des enfants et vous les payez pour faire le ménage avant, avant, avant qu'ils qu qu soient payés pour faire le ménage, ils le faisaient avec plaisir, puis en train, sans être payés. La journée où vous les payez, Là, ils le font parce qu'ils sont payés. Et si un jour, vous n'avez plus d'argent pour les payer et vous dites, bah, je ne peux plus vous payer, l'effet de l'argent a tellement été pervers que mmh. maintenant, ils le font juste pour être payés. Et donc, si vous enlevez ça, ils ne le feront plus jamais. C'est un exemple. Hein, C'est quoi les, temps expériences temps. Vie, là, parlais, là, les expériences de vie là, dont tu parlais, de Google? Les expériences de vie dont tu parlais, c'était quoi? Tu as, as des exemples? Bien, il y en a plein au Canada, aux États-Unis, beaucoup d'entreprises. J'en ai une que je fais, de tra... je fais beaucoup de conférences et de formations pour eux en tech. Eux, une fois par année, ils font un voyage à l'étranger, toutes tout, tout les employés. Ils sont plus de 300. Ça lui coûte une fortune. Mais il dit Benoît, euh, la performance associée à ce voyage commun euh, est vraiment plus élevée que le coût que ça me coûte. Il dit, mmh. il y a beaucoup de gens qui me challenge dans mon industrie parce qu'ils trouvent que ça me coûte énormément cher. Mais il dit, il y a un build-up qui se crée trois mois avant et, si, et, et ça, suit, ça se suit six mois après le voyage. Il dit, c'est hallucinant à quel point ça a des effets significatifs sur la motivation de mes troupes, sur euh, le tissage de liens qui s'est installé. Ça fait que les expériences de vie sont fabuleuses à faire vivre. On n'a pas besoin de voyager tout inclus à, à l'étranger pour le faire. Je vois des, des initiatives plus modestes au Québec aussi et aux États-Unis. On va, on va faire un, un, un week-end ensemble, on va encore faire un pique-nique. Il y a toutes sortes de manières de vulgariser, de traduire les expériences de vie, mais ce qui est certain, c'est que les expériences de vie est un grand motivateur lorsqu'elles sont euh, faites en groupe et que euh, on met un peu de côté le travail pour tisser plutôt des liens. C'est très, très, très intéressant. Top. Je te propose qu'on avance dans le, dans le coffre à outils parce qu'on en a déjà un petit peu parlé en introduction. C'est tout ce qui est autour des émotions et la maîtrise de soi qui est clé pour toi. Oui, c'est la clé. D'ailleurs, euh, souvent dans nos écoles de commerce partout dans le monde, on va enseigner à lider les autres. Mais je pense que la... Euh, le, je pense que le plus grand défi qui attend tout le monde qui nous écoute en ce moment, toi et moi inclus, c'est de se lider soi-même avant de lider les autres. Et de mmh. ça, on ne donne pas beaucoup d'outils euh, là-dessus euh, dans les écoles de commerce. La maîtrise de soi, c'est au cœur de ça alors que vous êtes pris par une pulsion qui vous anime, une pulsion qui est le fruit peut-être d'un courriel que vous avez reçu, hautain, méchant, ou une discussion très lourde, euh, et que vous avez la capacité de résister à la tentation de répondre sur le moment, sur le fruit d'une grande émotion très vive. La maîtrise de soi, c'est ça. Antonio Damasio, qui est un chercheur très connu sur le domaine, a démontré que l'émotion et la raison, c'est la même chose, mais à différents stades. Alors nous avons une émotion très vive qui te parvient quand tu reçois un courriel très méchant en tant que leader, vous recevez ça, la pulsion vous anime, mais vous avez la capacité de résister à la tentation d'y répondre sur le moment. Vous êtes brillant, brillant, vous ouvrez un document Word et vous écrivez toutes sortes de bêtises qui vous font du bien. Suite à avoir écrit ces bêtises, vous faites un tour du bloc et vous revenez quelques minutes plus tard et là, vous êtes rendu dans le deuxième stade, la raison. Et là, vous voyez les bêtises que vous avez écrites sur Word et vous dites voir que j'allais envoyer ça. Ça n'a pas de bon sens. Et ce qu'Antonio Damasio et ses, ses collègues ont démontré, c'est que quand vous êtes dans la raison, il faut avoir le courage de régler le problème. Il dit la majorité des gens, malheureusement, vous savez ce qu'ils font, Greg Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le laisser, ils vont le décaler, ils ne régleront pas le problème, ils n'auront pas le courage de le régler et ça va se transposer dans le dernier des stades du circuit, la mémoire à long terme. Et si ça revient plus tard, ce même type de problème, vous allez exploser aussitôt. C'est ça le problème. Mmh. C'est que les gens, la plupart, ont la capacité de résister à la tentation qui est le fruit d'une pulsion très animée. Mais quand vous êtes rendu dans la raison, faites-en une priorité. Quand on n'en fait pas une priorité, malheureusement, on a tendance à le décaler à plus tard parce que ça prend beaucoup de courage. Régler un problème compliqué, avoir une discussion difficile, mais avoir des discussions difficiles, les leaders, c'est ce qu'ils doivent avoir au quotidien. Ce n'est pas ce que vous allez dire, mais la manière que vous allez y prendre. C'est très courageux de prendre son courage quand vous êtes rendu dans le stade de la raison et d'aborder une discussion difficile. C'est la manière de s'y prendre qui est très importante. Et donc, dans la maîtrise de soi, c'est ça, hein? c'est l'idée soi-même d'avoir la capacité d'avoir des discussions difficiles et de comprendre les trois, les trois états. L'émotion très vive qui ne dure pas très longtemps. La raison qui est la fenêtre d'opportunité pour y répondre, et vous avez à peu près quelques jours pour y répondre. Autrement, ça vient se transposer dans la mémoire à long terme. Merci, Emmanuel. Gardons contact sur LinkedIn. Et après, donc, effectivement, donc, tu es arrivé sur la, sur la, sur la communication. C'est vrai que tu nous disais, toi, c'est quoi tes conseils pour justement bien gérer ses émotions et bien communiquer et développer cette habileté-là Si tu devais donner un ou deux conseils très, très pas pratico-pratique, c'est se donner le temps de répondre. Est-ce que tu as d'autres conseils à transmettre? Bien, premièrement, avant d'embarquer de, dans la communication, il y a quand même des leçons très intéressantes sur la maîtrise de soi. Une que je veux vous partager, c'est vous êtes toujours en mode décision. Euh, mm. un, un élément très important, c'est jamais prendre une décision permanente en se basant sur une émotion temporaire. Euh, Qu'elle soit très vive, positive ou très vive, malheureusement négative, là. Euh, c'est très important de comprendre que dans les deux sens, soyez dans un état émotionnel neutre, c'est-à-dire euh, votre état de base lorsque vous voulez prendre une décision permanente. C'est très important. On est en lien avec la maîtrise de soi. La prise de décision, mmh. là. les émotions affectent notre prise de décision pour le meilleur ou pour le pire. Une émotion trop vive, euh, en général, ça a bien été documenté, ne nous permet pas de prendre une bonne décision, décanter avant de prendre une bonne décision. Euh, et dans la communication, euh, qui est en lien avec la maîtrise de soi aussi. Moi, je donne toujours le, le truc pour les gens extravertis comme moi sur l'appel, les leaders, de donner une fenêtre de deux secondes entre le moment où vous allez euh, répondre à quelque chose qui vous est partagé. Vous avez une discussion face à face avec quelqu'un. Donnez-vous une période tampon de deux secondes. Essayez-le, je vous le jure, ça fonctionne. La première chose que vous allez réaliser, c'est que votre interlocuteur, interlocutrice, n'avait pas terminé de dire ce qu'elle avait à dire. Cette fenêtre de deux secondes lui permet de continuer à renchérir. C'est très intéressant, ça le fait à tout coup. Et lorsqu'elle a finalement terminé, vous avez emmagasiné beaucoup d'informations que vous n'aviez pas emmagasinées et vous avez eu la capacité de structurer vos pensées pour partager quelque chose de plus intelligent, plus rationnel. Cette fenêtre de deux secondes est très intéressante. Donc, dans la communication, si on parle de la communication, qui est le quatrième outil fondamental, pour moi, le cœur d'une communication bienveillante, c'est cette capacité d'écoute, hein, Greg. La mmh, capacité mmh. d'écouter l'autre, c'est la fondation euh, d'une communication bienveillante, euh, se poser euh, pour écouter. Et souvent, les leaders, les gestionnaires, Greg, le gros problème, c'est qu'ils écoutent et ils se mettent immédiatement en mode résolution de problème. Je ne sais pas si tu as rendu compte. Et c'est un grand problème parce que souvent, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais le, la personne qui est devant vous va le régler. Elle voulait juste se faire entendre. Et donc, des fois, c'est d'accueillir le message, de l'entendre, de l'écouter, d'être disponible et tout simplement de, la, de laisser l'autre vider son sac, comme on dit au Québec, et elle prendra en charge le problème. Elle voulait se faire entendre. 80%, ben, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques exactes. Mais je sais que la plupart du temps, la personne voulait se faire entendre et non pas se faire aider à résoudre le problème. Et si vous voulez savoir si elle vous laisse faire aider, lorsqu'elle vous partage le problème ou la, ce qu'elle a à partager et qu'à la fin qu'elle vous l'a partagé, après les deux secondes de tampon, ayez l'audace avant d'y proposer quoi que ce soit de dire, est-ce que je peux te partager quelque chose qui pourrait peut-être t'aider, donner le choix à la personne? Et vous allez voir que des fois, la personne était vraiment, euh, en fait, en plein contrôle de la solution, mais elle voulait juste se faire entendre. Mmh, mmh, oui, Alexandre mmh. dit notre petit démon du conseil, oui, faire attention. Bon, il y a des classiques, hein, Greg, euh, écouter pour répondre, écouter pour associer le contexte de l'autre au nôtre parce qu'il semble similaire alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense que c'est juste d'être disponible en temps et en heure, d'être sincèrement disponible d'être émotionnellement connecté avec le message, rephraser et par la suite laisser guider l'autre dans où ce qu'elle veut amener. Mmh, euh, donc mmh, pour moi... moi. C'est oui, parce, parce qu'il peut y avoir quand même des collaborateurs qui viennent voir leur manager. Effectivement, il y a ce besoin de, de se faire entendre et d'être aussi considéré sur le, le problème en question. Mais il y en a qui ont vraiment besoin d'être de, de, accompagnés par leur leader pour peut-être ne pas avoir un conseil, mais quand même être accompagnés. Être pris en, en charge, réveille. oui. Accompagner. D'ailleurs, c'est ça le leader 2.0 au Québec, au Canada. C'est de, de faire du coach, de coacher, d'accompagner plutôt que de, euh, que de diriger. Euh, on est dans, par exemple, quelqu'un arrive avec un problème. Euh, souvent, on dit « arrêtez de donner la solution, même si vous la connaissez. Posez mmh. plutôt la question « qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu ferais toi? C'est toi qui as les deux pieds dedans. » Et la personne, ça lui, ça lui permet de gagner en confiance, elle partage ce qu'elle a à, à dire, comment elle résoudrait, et vous, vous l'accompagnez, vous le coachez autrement. Intéressant, as-tu déjà parlé à Greg de ça? Il, il me semble qu'elle a déjà vécu ce genre de truc. Va y en parler, reviens voir. Surtout quand vous êtes en mode urgence, ne jamais donner la réponse, mais plutôt mmh. de les accompagner, de les écouter tendrement, de les aiguiller avec des questions qui poussent à la réflexion. Et de les nourrir de confiance lorsque vous leur demandez d'y répondre à votre place. Tu disais, toi, c'était une question que j'avais pour toi, là. Je me permets de rebondir, comme tu dis, aux États-Unis, au Canada, on voit ce développement de ce fameux manager coach, manager leader. Donc, nous, on œuvre là-dedans, pour, pour le coup, on baigne dedans. Toi, tu vois une vraie différence entre ce que tu vois aux États-Unis et en Europe ou enfin, Est-ce qu'il y a une sorte de, 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 de momentum qui est peut-être. Vous êtes plus en avance sur ça ou ce n'est pas une question d'avance, moi. Je veux briser ça, c'est une question de culture. C'est une mmh. question de culture parce que aux États Unis, c'est une culture très flat, comme on appelle, où la, la meilleure idée va toujours gagner. C'est toujours ça. La personne qui livre la marchandise va toujours gagner. Il n'y a rien de bon ou de moins bon, hein. c'est une culture différente. Euh, au Québec, on est dans un mode hybride entre l'Europe et, euh, et les États Unis. Euh, la hiérarchie est présente, mais pas comme la France, par exemple. Moi, ça me donne des frissons quand je vais en France. Il oh, faut, faut que je parle à mon chef. On ne dirait jamais à mon chef ici, on serait mon collègue. C'est une question de culture, tout simplement. La hiérarchie est très présente en France. C'est connu, je ne vous annonce rien de nouveau. Euh, mais elle a tendance à vouloir se réinventer ou, ou aplatir de plus en plus. Hein? Mais il euh, y a un aspect très culturel à tout ça. Mais je sens que oui, de plus en plus... Chez nous, on est beaucoup dans l'accompagnement, on veut former nos gens, on veut les faire réfléchir, on veut leur faire prendre des décisions, on veut qu'ils soient autonomes de plus en mmh. plus et mmh. le plus rapidement possible. Ok, super intéressant. Merci pour, pour, le, pour le partage. Je vois l'heure qui file. Est-ce que je te propose d'aller sur le dernier, euh, le, le dernier outil de ton coffre? Tout à fait. D'ailleurs, pour terminer sur la communication, on dit souvent, parler est un besoin, écouter est un art, donc euh, évidemment. Et peut-être pour terminer sur la communication, euh, sachez qu'une information partagée, parce que vous communiquez beaucoup d'informations, une information partagée, dénudée d'émotions, sera aussitôt oubliée. Mmh. Ayez la capacité d'habiller d'une manière élégante l'information que vous voulez partager. Quand je parle d'une émotion élégante ou d'une manière élégante, l'émotion se traduit par la passion dans votre voix, le storytelling bien approprié pour le contexte de vos gens. C'est l'authenticité dont tu parlais tout à l'heure. C'est l'authenticité. Ça, ça reboucle avec l'authenticité. Oui, et aussi comment habiller pour que tout le monde ait envie d'embarquer dans cette mission. Ça les concerne parce que vous y avez été aussi avec le côté émotionnel. L'information, le rationnel, avec l'émotion, ça amène oui. de la conviction. C'est une équation que je donne toujours. Information plus émotion est égale à la conviction. Parce que là, vous avez, vous avez ratissé avec une histoire percutante que les gens peuvent embarquer, comprendre, plutôt que l'information technique. Et évidemment, l'écoute empathique, ça met le pont entre la communication et l'empathie. Greg, on arrive dans la cinquième. L'écoute empathique, c'est de chercher à comprendre l'autre plutôt que de se faire comprendre. Chercher à comprendre l'autre plutôt que de se faire comprendre. En tant que leader, c'est tellement important. Greg, souvent quand je demande c'est quoi l'empathie, les gens me disent c'est se mettre à la place de l'autre. C'est complètement faux. Je ne peux pas. Vous avez, si vous vous portez des lunettes et je les porte à mon tour, je ne verrai pas la même chose que vous. La capacité d'éprouver ce que l'autre a éprouvé, c'est une reconstruction mentale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le ressenti. En tant que leader inspirant, inspirant, Greg, on parle d'un concept très intéressant au Canada et aux États-Unis. Je ne sais pas si on en parle chez vous. On parle, les leaders doivent connecter avec empathie l'idée avec compassion. Il y a quand même une différence importante. Euh, connecter avec empathie, ça veut dire quoi Brené Brown utilise une, une, une image, une image. Je vous mets le mot. Elle dit Est-ce que vous descendez dans la cave de l'autre En voulant dire, est-ce que Greg, quand tu es mon président et que je relève de toi, est-ce que tu viens me visiter dans mon lieu de travail où je travaille pour voir, pour connecter avec moi, ma réalité? Tu descends dans mon univers pour mieux comprendre mes défis, mes enjeux. Et quand tu connectes avec empathie, ça te permet de mieux comprendre mes défis, mes enjeux, mes problèmes. Et ça te permet de l'idée ou de servir avec compassion. C'est quoi la compassion? C'est une, une action concrète en lien avec ta connexion empathique avec moi. C'est-à-dire que tu es mieux capable de comprendre comment tu peux m'offrir ton temps, ta compétence pour m'aider dans mon contexte. Les pro Le problème des leaders, Greg, c'est que les gens se veulent euh, empathiques en restant au haut de la cave. Encore pire, ils invitent leurs employés à leur pentasse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez descendre dans l'environnement de votre staff, que vous prenez un peu de temps pour discuter avec eux. Vous trouvez, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est lourd je ne vois pas l'intérêt. Ben, vous manquez le bateau. Parce que vous mais ce que j'allais le... te demander. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, à ton sens, dénués d'empathie Totalement. Ben oui, absolument, absolument. Ben, les narcissiques, ça représente à peu près 1 de la population. Les narcissiques sont tellement forts, ils maîtrisent tellement bien l'émotion et, et les émotions des autres qu'ils sont capables de les manipuler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit faites attention de l'idée avec empathie, parce que si vous l'idée avec empathie, vous allez manquer la cible à tout coup. Ce que vous voulez, c'est comprendre euh, les défis, euh, les challenges, les problèmes de vos gens pour mieux y répondre par des actes de compassion, pour mieux les outiller, pour mieux les aider à y répondre par eux-mêmes. Les gens trop empathiques, malheureusement, l'épuisement professionnel va être au rendez-vous rapidement. Vous prenez toute la charge émotionnelle de l'autre. Non! Mm -hmm. C'est le ressenti qui traverse l'autre personne que vous êtes capable de ressentir parce que vous avez été tenter le terrain, comme notre ami Mathieu dit dans le, dans le chat. Vous êtes descendu dans l'univers de l'autre, c'est un choix. Hein? Et ça vous permet de mieux comprendre sa perspective. Et ça vous permet d'élargir votre perspective de ce que vous croyez qu'était son environnement. Vous voyez? Donc, l'image est très forte. Est-ce que tu descends dans la cave ou tu restes au haut de la cave et tu donnes des conseils dénudés de contexte? Vous allez dans l'environnement de l'autre, vous, vous, vous prenez le temps avec l'autre, vous remontez, vous avez vos choses à faire, vous remontez de cette cave, mais vous redescendez une fois de temps en temps. Et ça vous permet de connecter avec l'environnement de l'autre. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand connecteur. D'ailleurs, euh, l'empathie est l'outil par excellence de la compassion. Vous voyez ce que je veux dire? La compassion, c'est ce qu'on doit avoir en tant que leader. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est une action concrète, je suis là pour aider à ce que la personne soit mieux outillée pour répondre à ses défis, ses challenges et être plus performante. C'est ça que ça veut dire. Et il y a un article super intéressant de trois pages, je te l'enverrai, Greg de Harvard, qui a bien démystifié les quatre éléments de la pitié à la compassion. Mmh. La pitié, c'est, oh là là, tu as ton collègue de travail qui relève de toi, il, a, il est dans la merde, comme on dit, jusqu'au cou. Et tu lui dis, oh là là, je, 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 I feel sorry for you. Dit, je, je suis vraiment désolé pour toi. Bonne chance. Une déconnexion complète de comprendre son expérience et aucun désir d'y amener un support. Ça, c'est de la pitié. Aux antipodes de la compassion. Après, vous avez la sympathie. I feel for you. Oh là, ça ne sera pas, pas facile, Greg. Bonne chance. Mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. <laughs> ouais, tu vois un peu? Alors que l'empathie, tu vas dans son univers, mmh. tu ressens ce qu'il ressent par l'émotion vécue, l'état émotionnel par rapport à ses défis, ses enjeux, tu as connecté avec son environnement. Et là, tu as, en anglais, on dit I feel with you. La sympathie, c'est I feel for you. L'empathie, I feel with you. Là, il y a une connexion. Je crois que c'est une des compétences les plus importantes pour les leaders de demain, l'empathie. Mais il faut démystifier l'empathie et la compassion, parce qu'après l'empathie, une fois que vous avez connecté de manière empathique, vous ne voulez pas faire le travail pour la personne, vous voulez mieux l'accompagner, l'aider. C'est là où ta plateforme prend tout son sens. Et c'est là où la compassion, I'm here to help, comment je peux mieux aider la personne dans son contexte, pas comme si vous étiez vous dans son contexte. Mmh. Et donc, c'est un peu... Euh, pourquoi connecter avec empathie est essentiel à vos rôles respectifs et l'idée avec compassion. Génial. On arrive au, au, au dernier petit quart d'heure de cette masterclass, euh, B -B Benoît. Donc super, super intéressant euh, tous ces outils. Moi, j'avais un, un, un chapitre qui m'a marqué euh, pour clore cette masterclass. C'est euh, une question bête et je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est tu parles de tu parles de point de bascule dans ton livre. C'est à quel moment est-ce qu'on peut dire, si tenté qu'on puisse le dire, qu'un manager il sait qu'il fait preuve d'une bonne habilité. Tu as parlé de ses tests, d'une bonne habilité relationnelle. Est-ce qu'il y a un avant et un après pour que nous, on sache en tant que manager, voilà, OK, j'ai basculé maintenant, je suis un manager qui a des bonnes habiletés relationnelles. Ben, moi, je pense que le point de bascule, c'est la connaissance de soi, euh, d'avoir cette capacité de se connaître euh, dans nos angles morts qu'on peut voir. Si on a l'audace de tourner un peu comme dans notre véhicule, mais aussi des angles morts qui sont très morts, qui sont en arrière-nous, qu'on ne voit pas. Mmh. Et euh, la connaissance de soi est un point de bascule essentiel pour maîtriser, améliorer tous ces éléments. Euh, D'ailleurs, pour savoir si vous entendez ou vous écoutez, il faut, faut, faut avoir le feedback. des gens. par exemple, dans tous les éléments comportementaux qu'on met en place, sans s'en rendre compte, des fois on a des défaillances qu'on ne sait pas. Donc, la connaissance de soi s'obtient par deux manières. La première, c'est une introspection très profonde en vous regardant dans le miroir hein, euh, et de, de voir c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos principes, euh, etc., etc. Et de l'autre côté, euh, ça s'obtient également, obligatoirement, par euh, le regard des gens euh, par rapport à la perspective que vous avez sur vous-même et eux, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective sur vous-même. Donc euh, votre compagne amoureux amoureuse, euh, les collègues de travail. Avez-vous en tant que leader eu déjà cette discussion Commencez d'être de l'autre côté de moi. Quels sont les irritants que je fais au quotidien C'est se rendre mmh. vulnérable, mais authentiquement, c'est important. Ça demande et, du courage en et... hein, tout ça, dis donc. Que ce soit ben l'aspect oui, personnel êtes... ou. Oui, mais moi, par exemple, quand j'étais encore à travailler pour une autre boîte, là, je suis à mon compte, mais quand je travaillais pour une boîte, il m'arrivait très souvent de dire une fois de temps en temps, me rendre vulnérable, je le sais que je parle très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue dans les équipes? Je dis allez-y, il n'y a aucun souci. Il y avait un, un lien de confiance qui avait été établi pour que je puisse faire ça. Et j'avais découvert, par exemple, que quand je suis au téléphone, je parle très fort et tous les gens autour de moi étaient irrités par ça. Il y a quelqu'un qui m'a offert ce plus beau cadeau de me le transmettre. Et donc, je n'avais pas cette défensive, j'étais plutôt en ouverture. Et maintenant, je, à partir de ce moment-là, je m'installais dans une salle fermée et j'ai arrêté de fatiguer tout le monde. Mais je ne le savais pas, on ne sait pas mmh. ce qu'on ne sait pas. Le feedback de vos gens, voyez ça comme un, plus, un des cadeaux les plus précieux, pas comme une attaque, un cadeau d'avoir le feedback des gens constructifs. C'est tellement important. Euh, et, et tu sais, la connaissance de soi, si je peux le résumer en une phrase. Euh, Daniel Goldman, qui est un gourou de l'intelligence émotionnelle, je l'avais déjà entendu parler de ça, à quel point c'est un point de bascule important. Il dit J'ai réalisé par le fruit de mes 30 ans d'expérience que les gens qui ont une grande connaissance de soi, ils ne mettent pas de masque. Il disait Des mmh. don't wear a masque, des don't role play. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, j'ai la même gentillesse, la même sympathie, la même attitude quand je suis devant le barista du coin. Que je le considère comme un être humain avec le sourire que je t'offre, Greg, que, que tu es mon patron. Il n'y a pas de différence entre toi et le barista du coin. On ne mm -hmm. met pas de masque. On joue pas du... on... Les gens qui sont en grande connaissance de soi, ils ne font pas un jeu d'acteur. Il faut quand même bien comprendre ce que je dis, Greg. Pas de... On doit s'adapter au style de personnalité de l'autre. Si Greg est d'un style rouge, accélère le débit, va droit au but. Euh, C'est avec un analytique, va dans le détail, pèse tes mots. C'est pas ça que je dis. C'est au, au niveau comportemental. Est-ce que tu es différente personne selon qui est devant toi ou tu es capable de tendre vers être la même personne Oui, mais c'est là qu'on revient à une question du début de je ne sais plus qui, pardon. Il y a aussi ces cultures d'entreprise où tu ne peux ouais, pas… Oui, est c'était est-ce impolitiquement correct et aussi, euh, voilà, il de, 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 y, y a quand même des cultures qui le permettent ou pas. Non, tu n'es pas d'accord Absolument. D'ailleurs, euh, en haut, tu voulais avoir des petits concepts américains ou canadiens, là, euh, intéressants. Il y en a un très intéressant. Euh, de plus en plus, on va parler de culture d'apprentissage dans nos organisations. Oui. C'est absolument important que ça soit pas unilatéral et que tout le monde partage leur moins bon coup pour que les autres, ne, les autres ne le répètent pas et que ça se tisse hein, cette toile d'apprentissage. Et la culture d'apprentissage se développe par deux critères essentiels. Pour rebondir sur ta question. Le premier, c'est de s'assurer d'avoir une sécurité psychologique, qu'il n'y ait pas de climat de peur, que tout le monde puisse dire ce qu'ils ont à dire, qu'il y ait un débat d'idées, ce qu'on appelle un débat fonctionnel et non pas, euh, et non pas relationnel. Débat d'idées, débat d'opinion, c'est très important pour faire émaner un climat euh, de euh, l'apprentissage, une culture d'apprentissage. Donc, le, la sécurité psychologique mais on a besoin de connecter à la sécurité psychologique, parce que s'il y a juste la sécurité psychologique, Greg, ce n'est pas suffisant. Les gens restent campés sur leur zone de confort. Le deuxième élément, c'est une responsabilisation des individus. Des individus dans un groupe et euh, le groupe, une responsabilisation du groupe également, mais des individus dans le groupe, ce qui permet de faire, de pousser les gens à aller plus loin, à tester des choses. Euh, et comme il y a une sécurité psychologique, ben, on n'a pas peur de le faire. Donc, on a besoin de ces deux-là. Pour euh, faire émaner un climat de culture, d'apprentissage. Et ça me fait beaucoup penser à. Tu disais, ouais, mais là, selon la culture organisationnelle. Oui, mais s'il y a une sécurité psychologique, les gens n'ont euh, pas peur de dire ce qu'ils ont à dire euh, et que c'est des débats d'opinion de, de, et d'idées et non pas relationnels, où l'ego euh, prend tout, 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 toute la place, euh, c'est extraordinaire. Donc, on a besoin de ces deux piliers-là. Merci Benoît, il nous reste cinq petites minutes donc n'hésitez pas si vous avez des questions quelles qu'elles soient sur quel sujet dans la masterclass moi il y avait un point où je voulais t'entendre qui est le chapitre qui m'a le plus marqué moi personnellement, c'est après comment t'entretiens ces habiletés relationnelles et tu parles de l'importance euh, d'étirer et de sortir de sa zone de confort. Et ça je souhaiterais vraiment que tu partages avec notre communauté cette importance-là et qu'est-ce que tu quelle différence tu fais entre étirer et sortir de sa zone de confort et pourquoi c'est important pour travailler ses habiletés relationnelles tout au long de notre vie. Ah, tellement intéressant. Merci beaucoup Marie, merci Patricia, ça fait chaud au cœur de vous lire. Je suis content que vous avez apprécié. Euh, n'importe quelle question, euh, transmettez-les-moi, ça me fait toujours plaisir. En fait, moi, je l'ai appris très jeune, Greg. Ma mère, j'étais habitué de jouer avec des joueurs québécois au soccer dans ma région où il n'y avait que des blancs québécois comme moi. Et un jour, ma mère m'a dit Je t'inscris à la Ligue africaine de Montréal avec l'équipe du Sénégal. À l'âge de 16 ans, elle m'avait offert le plus beau des contextes qu'on pouvait offrir à un enfant, un adolescent dans mon cas. Elle m'avait challengé dans tout ce que je faisais. J'étais avec des Sénégalais qui venaient étudier au Québec. J'étais le seul blanc dans l'équipe. Je ne comprenais pas leur langue, le dialecte Olof. Je comprenais pas la manière qu'ils jouaient au soccer. Quelques semaines plus tard, je voulais tout quitter et ma mère m'avait dit "Tu te plains le ventre plein Pendant la seule heure où eux se sentent confortables au Québec, toi, c'est la seule heure où tu te sens inconfortable." « Prends un peu ton gaz égal », comme on dit au Québec. Et ça m'a permis de changer mon, mon fusil d'épaule. Je passais à vouloir me faire comprendre, à chercher à comprendre l'autre. Ça a changé de paradigme à jamais ma vie. J'ai mmh. toujours développé une curiosité de l'autre quand que je rencontre des gens qui ne pensent pas par, comme moi, qui n'ont qui pas les mêmes valeurs, les mêmes cultures. Elle m'avait offert le plus beau contexte qui restait imprégné en moi. Et je dis aux gens en organisation offrez des contextes challengeants à vos gens. Vous êtes, je ne sais pas, dans le domaine de l'ingénierie il y a un département des ressources humaines. Faites travailler quelqu'un du marketing ou des ressources humaines avec un ingénieur pendant plus d'une semaine. Vous allez voir, ils vont avoir de la misère à se comprendre au début, puis à un moment donné, ça va faire émerger de la créativité, et de l'innovation. Offrez des contextes challengeants comme celui que ma mère m'avait offert il y a plusieurs années. Ça change le paradigme. Est-ce que je peux faire un partage d'écran ou c'est pas, pas possible? Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Ça ne te dérange pas? Parce non, non, pas du jure. tout. C'est un masterclass. Je suis chez toi. Les gens vont rire quand je vais, parce qu'une image vaut mille mots. Euh, regarde, c'est ça que je te parle de cette image. Je ne sais pas si vous la voyez. C'était l'été de mes 16 ans. Je pense que vous voyez bien que j'étais assez <laughs> hein. Voyez? Apprendre hors de notre zone de confort. <laughs> à quel point c'est important. Ça l'a changé ma vie à jamais, Greg, sincèrement. Et c'est là où j'ai compris que quand on sort, de, on étire notre zone de confort un peu, soit-il, ou on a l'audace d'en sortir, on va se découvrir des talents cachés exceptionnels qui étaient ici mais qu'on ne savait pas. On va se redécouvrir on va mieux connecter avec des gens. Euh, on va s'ouvrir à des perspectives qu'on s'imaginait pas. Parce que l'être humain est ainsi fait. Il est confortable dans ses pantoufles. Il est confortable quand il est en discussion avec quelqu'un qui lui ressemble dans sa manière d'être, dans sa manière de réfléchir, de penser. Et on dit souvent avant qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que quand euh, ton client potentiel est devant toi, Greg en l'occurrence, et à la fin de la discussion, il dit Benoît, on pense pareil, on est pareil c'est le fruit euh, d'un billet de familiarité qu'on a. On aime travailler avec des gens qui nous ressemblent. On aime avoir des amis qui pensent comme nous. Mais grâce à ma mère, à l'été de mes 15 ans, j'ai compris que ce n'est pas là où on chemine le plus vite. Ce n'est pas là mmh. où on progresse. C'est quand on est challengé au corps à corps avec des gens qui ne pensent pas du tout comme vous, qui ont des croyances qui ne sont pas les vôtres, qui ont une manière, un schéma de pensée différent, des valeurs différentes. Et quand on est ouvert à ça, on se projette dans, un, dans une autre perspective. On devient une version 4.0 de qui on est. Je trouve mmh. qu'on devrait offrir à nos enfants plus de ce genre de contexte. Je n'ai pas attendu à l'âge de 16 ans pour mes enfants. Je ne vous dis pas où mon fils va être dans son camp de jour cet été. Mais il va être déstabilisé et tant mieux. Il va être vénère après moi pendant plusieurs semaines et après, il va me remercier comme je remercie ma mère à tout les jours. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est qu'on peut le faire dans nos organisations aussi, développer nos gens et mmh. les, les mettre dans des climats un peu instables. Mmh. Mmh. Et Hyper intéressant. Ouais, donc voilà. Benoît, il nous reste une minute. Euh, on a, on a une petite, euh, un petit rituel au fin de ces masterclass auprès de la communauté. C'est euh, si tu devais donner un seul et unique euh, conseil à nos managers, euh, lequel serait-il pour qu'ils développent, ils travaillent dès cet après-midi leurs habiletés relationnelles. Tu as le droit Alors, de réfléchir cinq secondes. Mon Dieu, hein, c'est <laughs> une, une question. Euh... Je ne t'avais pas préparé. <laughs> ah, je... Ah. Ben, je pense que le point de bascule, c'est de se connaître, de, 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 de demander du feedback aux gens autour de soi euh, pour savoir si vous êtes en, en page avec qui vous pensez vraiment être. Je pense que c'est très important et d'étirer de, 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 sa zone de confort, d'aller de, dans des discussions que vous n'êtes pas habitué d'avoir avec les gens, d'être plus en profondeur, dans, parce que c'est en pratiquant. Donc, quand qu on, les habiletés relationnelles parlent d'une relation, comment cultiver une relation, donc peut-être d'aller un peu plus en profondeur avec un de vos collègues, de vous pratiquer comme ça, corps à corps, et vous allez développer une habileté qui va devenir de plus en plus automatique. Euh, donc, je trouve que c'est en se pratiquant et aussi en faisant un pas de, rec pas de recul pour avoir une réflexion sur c'est quoi vos angles morts, les angles morts que vous connaissez qu'il faut travailler et ceux que vous ne connaissez pas. Euh, ben, merci de tous vos commentaires. Ajoutez-moi sur LinkedIn si vous le voulez, j'aime bien avoir vos commentaires. Greg, merci, ce fut vraiment extraordinaire comme. Euh, un, un plaisir partagé, merci à toutes, merci à tous, un grand merci Benoît, je vous, je vous recommande donc chaleureusement et vous l'aurez dans le petit digest, hein, l'ouvrage de Benoît c'est aux éditions Erol, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, euh, je vous donne rendez-vous euh, dans trois semaines pour la prochaine masterclass avec Adrien Chignard qui est psychologue du travail, alors avec Adrien euh, on partagera sur comment est-ce qu'on peut éviter et désamorcer les conflits. Au sein de vos organisations euh, et comment est-ce que vous pouvez accompagner vos équipes pour ce faire. À très bientôt, Benoît, et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, Greg. À bientôt. Salut. Au revoir.